parler six sanctuaires là que couillé parce que temps ça c'est pas librement qui c'est le temple de Dieu, ça c'est un temple côté que nous réunis pour adorer. Mais le temple de Dieu c'est moi, c'est où? Amen. Parlez l'église. Amen. Le temple de Dieu c'est moi, c'est où? Et le temple que nous y est, le temple du Saint-Esprit, la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Pour qui ça, ou d'accord, mettez-moi sous charia, et puis ensuite, pour garder. C'est sous ça que le Saint-Esprit voulait parler à soi. Et d'abord, on nous définit qui ça la consécration y est. Je me la première fois que tu es là, tu as chance de parler de la consécration. Mais le Seigneur voulait toucher en profondeur cette question de consécration. La consécration, par définition, selon la Bible, sur le plan évangélique, théologique, c'est l'action de se dédier, oui, son dédicace, de s'offrir son offrande, de se donner en cadeau, c'est un don. Deuxièmement, il a dit que c'est rendre sacré, saint, vénérable. Que micro ça c'est un élément dans le temple qui consacré exclusivement, souligne-t-il, s'il vous plaît, exclusivement pour le culte de l'Éternel. Donc, il y a un monde qui t'a pris micro ça, car il prend l'autre bagarre, ou fait ça une profanation. Parce que vous pouvez être sacré pour jouer avec. Et lorsque vous faites profanation, peine qui réserve pour profanation, c'est peine de mort. Amen. Dans la démocratie avant là. Dans l'évangile, l'évangile de la démocratie. Ça là, ou plus que ustensile pour n'avoir pas la scène, parce que c'est vous-même qui voulez être bon Dieu. Donc ça veut dire que mieux de sacré, couche de sacré, pied de sacré, chien de sacré, tout comme soleil ou de sacré. Donc vous ne pouvez pas faire sauver à tête ou encore. Donc souvent, si vous avez fait sauver à tête ou vous faites profanation. Et peine qui pour profanation, c'est peine de mort. Vous connaissez moi, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir. Donc, quelque part qui arrive au pied devant, c'est parce que tout simplement, où on a fait. La justice derrière, ou un mandat derrière, il y a un mandat de pays, mais contravention parce qu'on a fait à con. À con Dieu. Parce que bouche capable de gloire, pas capable, à chanter, car vous c'est l'Indion, l'a chanté, tout le chias païen, t'a fait à terre, et qu'a chanté elle comme John, qui s'est pédéras par excellence. Non, bouche pas vous dire la carte de tout bagaille, parce que bouche pas vous dire la bouche consacrée, parce que nous avons un fiancé qui jaloux. À moins que vous avez fiancé, oui. Ah, pardon, à moins que vous avez fiancé, oui. Donc, la consécration, c'est la part de laquelle une personne ou un objet est séparé. Ah, il touche la sanctification ici tout. C'est la consécration et la sanctification, il y a lié. Il y a une relation étroite. Et vous dites séparation, vous entrez dans la sanctification. Séparé pour qui ça? Pour le service et le culte de l'Éternel. Encore, la consécration, c'est se placer sur l'autel de Dieu, esprit, âme et corps, mon doctrine, bon Dieu, c'est tellement dit. Il va m'en dehors. Mon saillot a besoin de faire l'autre Bible. A chercher l'autre Bible. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il est écrit que le Dieu de paix, Shalom, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, et le préciser, s'il vous plaît, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Vous avez été sanctifiés déjà. Est-ce que vous avez ça comme ça?